Les jeunes de l'arrondissement de Glodjigbé veulent prouver toute leur reconnaissance au pouvoir du président Patrice Talon. RJP, Réveil des jeunes pour le progrès, c'est à travers ce creuset politique qu'ils comptent se faire entendre au service de l'actuelle gouvernance. La gouvernance actuelle de mon pays m'impose des questionnements. 1. La lutte contre la corruption enclenchée par le président Talon n'est-elle pas gage d'assurance pour un Bénin prospère dans le Conseil des Nations à l'horizon 2025? 2. La volonté du président Patrice Talon à refonder la gestion politique traditionnellement basée sur le détournement des biens publics n'est-elle pas à encourager? 3. La génération de leaders politiques corrompus, de cadres politiques n'excellant que dans le détournement des prêts accordés par les bailleurs pour la reconstruction du pays désormais relégué au jeu par la volonté de cet homme courageux, n'est-elle pas à soutenir? Chers congressistes, nous pensons que Son Excellence Raoulins du Bénin doit s'armer davantage de courage. Le mouvement RJP s'est fixé des objectifs clairs afin de contribuer activement à l'émergence de notre société la plus libre possible. Son projet se veut émancipateur, notamment l'autonomisation de la jeunesse de Glodjigbé, la lutte contre la pauvreté et le chômage. Parrain de ce congrès, le mouvement PDR, Parti démocrate républicain. Glodjigbé, le contrôle Zoye. Il est important que Glodjigbé soit mieux organisé afin de rehausser davantage son étendard au profit des réalisations du gouvernement. Car le plus grand investissement du PAG sera fait ici. La jeunesse de Glodjigbé doit incarner certaines valeurs. Notre jeunesse doit être disciplinée, respectueuse. Nous ne voulons pas une jeunesse qui doit être à la recherche de gains faciles. Le président Talon, c'est une chance pour la jeunesse. Parce que nous nous étions délaissés. L'homme, il est venu, il dit nous allons reformuler les choses, nous allons refonder les choses, nous allons révéler le Bénin. Et quand le Bénin sera révélé, mais c'est la jeunesse qui va bénéficier. Glodjigbé compte aujourd'hui plus de 12 000 habitants, majoritairement des jeunes. Le RJP entend ratisser large pour Patrice Talon dans toute la circonscription électorale.